Bienvenue sur Salle TV. Dans le cadre de notre émission Cuisine la case, Patricia va vous présenter sa recette. Bonjour, alors je vais vous présenter un sauté de camarons au bread. Alors pour ça, il va nous falloir des camarons. J'ai préparé tous les ingrédients. Donc les camarons que je fais macérer dans du soja avec de l'ail, du poivre, alors avec du piment également, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du piment. J'ai mis 2 cuillères à soupe de vin blanc et je laisse macérer le temps de faire tous les autres ingrédients. Ensuite, j'ai 2 oignons que j'ai coupés, j'ai émincés. Je vais mettre des tomates au dernier moment pour faire un peu de couleur. Et puis j'ai coupé des braises. J'ai coupé en petits morceaux, nettoyé bien évidemment, et puis coupé en petits morceaux. Dans la préparation, j'en ai gardé un petit peu parce que je vais le faire revenir dans l'huile au moment où je vais faire chauffer mon huile avant d'y mettre les crevettes. Ça donne un bon petit goût. Et puis j'ai préparé des champignons chinois, voilà, que j'ai fait, c'est des champignons séchés que j'ai fait tremper dans l'eau et que j'ai après émincé. Donc là, maintenant, on va procéder à la cuisson des camarons au piment. Moi, j'en ai pas mis beaucoup, hein, mais avec du soja. Ça s'appelle un sauté de camarons au bread. Donc j'allume mon feu. Bien, faut que ça soit bien chaud, hein. Donc je vais mettre un peu d'huile dans le fond de mon wok. Pas beaucoup parce qu'il y en a déjà dans les camarons qui sont là. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai conservé ce petit ces petits que ça soit bien chaud pour bien faire grossir tout ça. Donc on fait roussir ça, faut pas que ça grille, hein. Juste ça donne du bon goût au camaron qui va suivre. Voilà, et comment ça crépite. J'adore cette odeur. Attention de pas se brûler, hein, parce que ça... Voilà, donc là ça commence à griller un peu, et alors je vais mettre mes camarons. Donc ils ont été nettoyés, il n'y a pas besoin de les sécher, hein, quand c'est un peu de jus et tout. Vous voyez comment ça roussit bien? Voilà. Ah, ça va très vite là. Bon, il est, hein. Moi, il monte. On voit la cuisson de la crevette lorsqu'elle change de couleur. Elle devient rose. Voilà. Et donc, maintenant, à ce stade-là, je vais ajouter mes oignons. Ah, tu vas faire un flambage alors, oui, c'est ça? Oui, ça va déglacer un peu tout ce qu'il y a dans le fond là. Attention, hein. Là, ça va brûler. Voilà. Alors, mon oignon il est cuit, hein. On va pouvoir passer au champignon. Voilà. Je ne peux pas tout mettre parce que voilà. Donc maintenant, tout ça, ça a bien mijoté. On va rajouter les breads. Et les breads là. On va tout mettre. Parce que.
Alors maintenant, je vais pouvoir mettre les tomates. Les tomates, parce que ça fait de la couleur. Voilà, vous voyez. Ah, c'est complet, hein. Toujours à feu fort, hein. C'est bon. Ça eh bien, écoutez, on voilà, va déluger tout ça. Le feu. Voilà, je recouvre le temps de préparer le riz. Voilà, comme ça va garder au chaud et de ranger un petit peu tout ça.